Hello les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois, on va passer 24 heures dans une chocolaterie. On arrive à la période de Noël. 1 milliard de préparations qui ont été faites. Aujourd'hui, c'est Aurélien qui va nous accueillir dans sa chocolaterie qui est juste ici. On va arriver devant, donc c'est parti, on y va. Noël est la période de l'année durant laquelle le chocolat est le plus consommé. Mais connaissez-vous réellement l'envers du décor? Saviez-vous qu'une poignée seulement de chocolatiers en France réalisent eux-mêmes le processus de transformation de A à Z. Autrement dit, qui travaillent directement la fève pour la transformer en chocolat au sein de leur atelier. Et bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui chez la Baleine à Cabosse. Un couple de passionnés a créé sa chocolaterie Bean to Bar suite à un long voyage en Colombie, durant lequel ils ont découvert que le chocolat offre en réalité une large combinaison aromatique. Leur philosophie, less is more, puisqu'ici, on travaille le chocolat à l'état brut, sans fioritures. Bon bah du coup les amis, on est avec Aurélien, donc, voilà, on est dans sa chocolaterie aujourd'hui. Bah nous on a monté la chocolaterie avec Claire, ma compagne, il y a 5 ans maintenant. C'est une chocolaterie sans chocolatier. Alors pourquoi il n'y a pas de chocolatier? Parce que ici notre métier c'est de fabriquer le chocolat à partir du cacao directement. Donc on va chercher les fèves de cacao dans plusieurs pays du monde, on les ramène ici, là on est entouré de plein de sacs, et on a plein de machines pour transformer ce cacao en chocolat. Et en fait ce métier là, il n'existait pas il y a quelques années encore. Ça paraît étrange, aujourd'hui les chocolatiers, ils commencent au chocolat. Donc ils achètent du chocolat au lait, du chocolat blanc, du chocolat noir. Ils vont faire fondre et après ils vont faire des chocolats fourrés, ils vont faire des sculptures, des œufs de Pâques, des Pères Noël, mais ils travaillent pas du tout la fève de cacao. Ça moi je savais pas par exemple. C'est toujours des industriels qui font le chocolat aujourd'hui en France. Et donc ce qu'on a décidé de faire avec Claire, c'est de réapprendre à faire du chocolat à échelle artisanale, donc à petite échelle, ce qui nous permet de travailler des petits volumes et donc des fèves très particulières. Parce que si on se met à la place d'un industriel, quand il lance une nouvelle tablette, Lindt lance sa nouvelle tablette demain, il lui faut des dizaines de milliers de tonnes de cacao. Et donc tout de suite il va devoir mélanger plein de variétés de cacao. Voilà, on va choisir des petites variétés et des petits producteurs de cacao, donc on a des choses assez étonnantes comme chocolat. Vous allez voir, c'est pas très grand, mais c'est optimisé, donc il y a pas mal de choses qui se passent à plusieurs endroits de la chocolaterie. Donc ici, on est dans la pièce cacao, donc c'est vraiment là qu'on va stocker nos sacs de cacao. C'est là qu'on va torréfier le cacao, là ça sent fort, c'est une odeur un peu amère, mais qui est un temps très gourmande. Et c'est là qu'on va aussi décortiquer les fèves de cacao, puisque autour de la fève, il y a une petite écorce qu'on va devoir enlever. Sinon, le chocolat, il est granuleux, c'est pas très agréable. D'accord. Et ensuite, on va passer dans le laboratoire du bas, c'est la partie chocolat, c'est là où le cacao se transforme en chocolat. Donc ici on a plusieurs sacs de cacao par exemple. Ça c'est un sac d'Ouganda, petit pays producteur de cacao. Là il a un côté très crémeux et des notes de mûre. Donc on dit souvent que c'est un peu un yaourt à la mûre quand on mange. D'accord. Donc, on fait 70% de cacao. Ouais. Derrière on a un sac du Venezuela, tout petit village qui s'appelle le Chuao, qui est dans notre micro-milieu là des dingos de cacao. C'est un village qui est très connu. Un peu comme on pourrait comparer avec un cépage très connu dans le Bordelais par exemple. C'est un peu une des références. Exactement. Puis l'année dernière on a monté l'association des chocolateries qui travaillent comme nous. Plutôt que de se tirer dans les pattes, on s'est dit on va plutôt se tirer vers le haut. On a plein de questions qui se posent de fèves, d'importation de fèves, de stockage, de machines, de comment est-ce qu'on fait un bon chocolat tout simplement. On n'arrête pas de discuter, donc on s'est dit on va se regrouper en association. Et donc on est plusieurs membres de l'asso à avoir acheté ce lot du Venezuela et chacun en a fait son chocolat. On s'envoie nos tablettes pour se faire goûter les uns les autres, pour voir la pâte qu'on a. Ok. Toi, quand tu prends différents pays, c'est des chocolats que tu as goûté sur place, ou tu as eu des coups de cœur, ou tu t'essayes et au final tu as des préférences, c'est comme ça en général? Alors, ça dépend. On a 3 variétés de Colombie. C'est là où on a découvert le cacao avec Claire. Donc on a passé 6 mois dans le pays à rencontrer des producteurs. Pendant 6 mois, on se baladait un peu dans tous les coins du pays, dans des coins tout à fait improbables. Et donc c'est le résultat de 6 mois de recherche. Maintenant, on importe ces fèves-là. Quand on lance maintenant l'Ouganda ou le Venezuela, on n'a plus le temps de passer 6 mois dans chaque pays, malheureusement. Donc j'imagine. On travaille avec une sourceuse de cacao. Donc c'est un très beau métier, et on a de la chance, elle habite à Marseille, on est voisins, on habite juste à côté. Et c'est elle qui fait ce travail-là, d'aller nous repérer des fèves, et ensuite d'être en mesure de nous les importer à Marseille, puisque c'est bien beau de trouver des fèves, il faut encore réussir à les amener, mettre en container, contrôle qualité au départ, à l'arrivée, droit de douane, voilà, c'est un gros boulot, et donc on s'appuie sur elle pour ça. On veut bien voir un peu à quoi ça ressemble. Là il y a des sacs, on se fait une petite idée. Des fèves, des sacs ouverts. T'arrives à l'œil nu déjà à voir une petite différence entre les différentes provenances ou... Ouais, il y en a certaines qu'on arrive à reconnaître à l'œil nu, il y en a d'autres qui sont quand même très similaires, donc c'est pas toujours facile. Vous l'aurez donc compris, les fèves de cacao ne se travaillent pas de la même façon en fonction de leur provenance, de leur composition chimique ou de leur taille. Vous voyez d'ailleurs qu'il y en a certaines qui n'ont pas réellement la même couleur. L'enjeu pour Aurélien et toute son équipe est donc d'apprendre à travailler au mieux les différentes fèves qu'il possède. Par exemple, certaines pour le même temps de torréfaction vont brûler et d'autres ne seront pas assez cuites. C'est donc tout l'enjeu qui se cache derrière une belle tablette de chocolat pour qu'elle soit onctueuse et bien brillante. Sur le cacao, on ne sait pas qu'il y a des variétés et pourtant ça joue
beaucoup dans le goût final du chocolat. Okay. Ce sont des fausses cabosses, mais ça ressemble vraiment à ça. En fait, il y en a des oranges, il y en a des vertes, il y en a des rouges, il y en a des jaunes. En gros, les producteurs, ils vont récupérer la cabosse sur l'arbre quand elle est mûre, verte quand elle est pas mûre, et quand elle arrive à maturité, elle prend sa couleur finale. Donc on sait qu'on peut récupérer la cabosse, on peut la récolter. On y va à la machette, hein. C'est un gros bout de bois qui tient le fruit sur l'arbre. C'est assez étonnant, c'est un fruit qui pousse sur le tronc de l'arbre. Le cacaoyer, il peut faire la taille d'un immeuble, il peut faire 15 mètres de haut. Ouais. Et il y a des cabosses au sol sur le tronc. Et à l'intérieur de la cabosse, il y a entre 20 et 60 fèves de cacao avec une pulpe blanche qu'on appelle le mucilage. En fait, c'est un fruit tropical. Quand on mange du chocolat, on mange du fruit. Ouais, si ça peut vous décomplexer quand vous mangez du chocolat. 5 fruits et légumes par jour. Ouais, c'est ça. On est en négociation avec la Sécu là, pour des remboursements. Les producteurs de cacao, ils vont les récolter, récupérer toute cette pulpe et ses fèves et faire fermenter dans des grandes caisses en bois pendant 4 à 8 jours. Là où ils font fermenter, ça sent le vinaigre, ça sent l'alcool, ça sent pas très bon. D'accord. Et ensuite, ils vont les faire sécher au soleil pendant une quinzaine de jours. D'accord. Et c'est là qu'ils les mettent dans les sacs et qu'ils nous les envoient. Donc on fait beaucoup d'étapes ici, mais sur ces étapes-là, fermentation et séchage, on n'a pas la main directement. Ça arrive directement dans les grands sacs. Ouais, donc c'est pour ça que ça ressemble à ça. Là, je vais vous montrer les différentes étapes. On prend les fèves dans les sacs, on les met sur une plaque. Ouais. Et on va les trier à la main. Ici, à la chocolaterie, en un an, on fait à peu près 5 tonnes de cacao. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'on trie 5 tonnes à la main. Il y a toujours des petites impuretés, des fils de sacs, des fèves qui sont abîmées, des petites choses. D'accord. On va tout enlever pour garder que les plus belles fèves. Et on les torréfie dans le four qu'il y a là. Et vous estimez pas mal de pertes ou en vrai ça va? Sur la matière première, on a entre 20 et 30% de pertes quand même, donc c'est énorme. Ah ouais, c'est beaucoup. Voilà. Je compte ce qu'on trie et ensuite le décortiquage de la fève, le fait d'enlever l'écorce. Ok. Voilà, tout ça, ça fait à peu près 30% de pertes. On torréfie dans le four qu'il y a là, c'est une odeur qui est très agréable. Tout à l'heure, c'était les pistaches qui étaient torréfiées, c'est ça? Ça sentait bon déjà jusqu'à dedans. Elles sont juste là, regarde les petites pistaches torréfiées. Elles n'attendent qu'à se transformer en pralinées pour aller dans des barres fourrées après. Dinguerie. Ça passe au four pendant combien de temps à peu près? Nous on fait 20 minutes, mais ça c'est à chacun de décider de sa recette. Et la température, on met à peu près 120 degrés. D'accord. Et après, comme je disais, selon les variétés de cacao, on ne met pas la même durée. Donc il y en a, ça va être plutôt 15 minutes, oui, d'autres un peu plus à 25. J'ai goûté une tablette hier de Pierre Marcolini, c'est un grand chocolatier belge très connu, qui est un peu un fer de lance de ce mouvement-là. C'est lui qui a lancé ça il y a pas mal d'années. Et sur la tablette, c'était écrit torréfaction 40 minutes. Donc tu vois, il torréfie beaucoup plus que nous. Ah, oui, ça, c'est un choix d'entreprise, de goût, ce qui te plaît. Voilà. Oui. On fait des chocolats qui nous plaisent. Je ne sais pas si on a vraiment précisé, mais en fait, les plus grands chocolatiers, enfin, beaucoup parmi les plus grands qu'on connaît en France, ils ne torréfient pas eux-mêmes leur chocolat. Ils se fournissent des grossistes, en fait. C'est des grossistes. Ouais. Ils achètent du chocolat déjà fait. Et après, ils ont le savoir-faire de le sublimer, de mettre des choses infusées dedans, de faire des ganaches et tout. Mais ils ne vont pas fabriquer leur chocolat. Alors que vous faites tout de A à Z. On fait tout ici. Ouais. Et par contre, on ne fait pas de chocolat fourré. La barre à pistache, c'est vraiment une exception. On fait des petites choses comme ça, très simples. Mais on ne fait pas de ganache. C'est pas notre savoir-faire. Et c'est d'ailleurs parce qu'on aime trop manger. D'accord. Les chocolats fourrés, j'ai des assez mauvais souvenirs de quand j'étais petit, des chocolats fourrés avec des trucs bizarres dedans. De la liqueur. Ouais, des liqueurs et tout. Et donc, et avec Claire, et mon chéri. On a un peu traumatisé de ce genre de trucs, donc c'est vrai qu'on aime bien le chocolat nature, donc c'est ça qu'on fait ici. Donc, du coup, les fèves là, elles sont sorties du four et on va devoir les décortiquer. On va les passer dans cette machine, ça c'est un concasseur, une roue avec des dents, ça va écraser grossièrement les fèves, donc on va se retrouver ici avec un mélange de peau et de fèves. Ce mélange là, on va le passer ensuite dans cette machine là, ça c'est un vanneur, c'est un système de ventilation très simple. D'accord. La peau elle est plus légère, donc elle va tomber dans la caisse de gauche et le cacao va tomber à droite. Ah oui, c'est... La peau et les fèves, tout est mélangé. Ah d'accord. Donc ça va assez vite. Ça sent. Là, ça dégage une bonne odeur. Enfin, ça sent un peu le gâteau au chocolat. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que ces odeurs-là, elles sont associées au sucre. Pour nous, on dirait qu'il y a du sucre, alors que si vous mangez une fève de cacao toute seule, c'est pas du tout sucré. C'est même assez fort. Ouais. Ouais. Et nous, on est tellement habitués à manger avec du sucre. C'est dans les ingrédients comme j'ai fait tout à l'heure. Et tu peux la goûter. Alors moi j'ai les ongles, mais bon, du coup je l'ai brisé un peu. Ah ouais, l'odeur c'est dingue par contre là. Donc fèves de cacao torréfiées nature. Hyper amer, mais c'est mangeable. Dans l'équipe, donc ce que je disais, on n'a pas de chocolatier, c'est que des gens qui découvrent un peu le métier. Et aujourd'hui, tout le monde, je les vois à chaque fois, ils sont en train de picorer des petites fèves. Bah, en fait, c'est... on se prend vachement au jeu de ce mais goût et brut. Et ça, du coup, en termes de calories, ça n'a rien à voir, non? Avec du chocolat terminé, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est un fruit presque limite, comme tu disais. Ouais, c'est, alors, le cacao, c'est présenté par les médecins. C'est un argument que je ne mets pas en avant dans mes ventes, parce que je ne suis pas médecin, du coup, je ne me sens pas très à l'aise là-dessus. D'accord. Mais j'ai plein de clients qui m'envoient des articles et des machins. C'est présenté comme un super aliment, le cacao. Ok. Du coup, les médecins disent le cacao, vous pouvez consommer autant que vous voulez, c'est bon pour la santé. En commerce, ça se trouve pas, ça? De plus en plus, en épicerie, en petites épiceries bio et tout. Ok, d'accord. Si la fève est pas très bonne, si elle est pas très bien fermentée, par exemple, c'est immangeable. D'accord. Là, on a des fèves très douces qui sont faciles à manger. Donc déjà, tu vois, c'est amer. Ça se mange donc, quand même. Il faut bien faire attention à la variété. Maintenant, on va passer ce mélange dans cette machine. Là, quand on allume, on entend le son. Il y a la ventilation qui se met en marche. Ah, ça ressort en bas, t'as vu, hein. Alors là, on a bien la peau qui sort ici. On va regarder ce qu'on a obtenu.
Ici, on a la peau, donc c'est très poussiéreux aussi. Hein. Ça, nous, on va le récupérer pour en faire deux choses. Avec les gros morceaux de peau, on va les tamiser, on fait de l'infusion de cacao. Okay. Plutôt que de le jeter, en fait, ça fait une boisson au cacao qui est hyper agréable. Et le reste, c'est de la poussière de cacao. Ça, on le donne à des gens qui font du paillage pour les jardins. J'avais pas ça en tête quand on a démarré, parce que je connaissais pas le métier, mais on génère peu de déchets par rapport à la taille de l'activité. Tu vois, ça, quand on voit le jute, on a toujours des gens qui les récupèrent, on les donne, ils en font des sacs, des décorations. Ça, la peau, finalement, on la revalorise. Ouais. Et comme on n'a pas de crème, pas d'œuf, on a des longues DLC. Donc on n'a pas de problème de péremption des produits. Oui. J'en génère de l'emballage, ouais. Mais on a globalement on n'en jette pas trop de choses. Et donc de ce côté-là, on a le grué de cacao, c'est des éclats de fèves qu'on a tout réfié, qu'on a décortiqué. Oui, ouais. Des fois sur les porridge et tout, j'en mets moi des fois. Ouais, sur les gâteaux au chocolat, ouais, voilà, y a plein de choses. Bah, c'est exactement ce que tu as goûté tout à l'heure. C'est, ouais. C'est croquant, ça y a un goût torréfié de cacao, ouais. Mais qui apporte pas de sucre. On peut l'utiliser en salé aussi. Ça, d'accord, ça donc même quand on l'achète en commerce, c'est vraiment que ça, il rajoute rien dedans, c'est non, le ouais. Gruyère. Enfin, je sais pas ce que tu achètes exactement, mais normalement, ouais, oui, c'est ça. Oui. Nous, on bosse là-dessus avec des fromageries, par exemple. Nous en achetons pour en mettre sur du fromage, parce que ça fait des accords qui sont intéressants. Hein. Dans Marseille, il y en a qui font ça? Ouais, là, il y a la laiterie marseillaise qui fait ça. Ah, je connaissais pas, mais très, très belle franchement, fromagerie. Je testerai. Hein. Là, je vous ai montré sur une pelle, mais normalement, on le fait sur pas mal de kilos. On remplit ouais. La caisse de cacao et on le stocke. On a nos caisses là-bas. Ouais. Alors là, je voulais te faire sentir le grué de cacao d'une variété à l'autre. Déjà, à ce stade-là, on sent bien les différences. Ça, c'est une variété du Mexique. Ouah, ça sent super bon. Ça sent un peu un côté fruité, hein, non? Je me ouais, trompe. C'est fruité, un peu biscuité. Ouais, ça sent super bon. Ça vient de Tabasco, une région mexicaine. D'accord. Celui-là, ça vient d'Ouganda. Il sent beaucoup moins fort, celui-là. Il sent moins fort. Il a des notes plus fruits rouges celui-là. Ah ouais, ça va dépendre. Sens beaucoup moins. Ouais. Et celui-ci, je te laisse sentir aussi. Tu il m'as assez... co-fumé. Assez rigolo. Ah ouf. Ouais, ça fait vraiment fumer. Comme quand on va au resto, qu'on prend quelque chose de fumé. Quoi. Bah, pour le coup, on l'a fumé celui-là. Ça travaille avec un artisan marseillais qui a un fumoir. Ça s'appelle Maison Mathieu. Lui, il fume des saumons, des magrets. Et on s'est rencontrés sur un marché. Et ça faisait un moment qu'on avait cette idée-là en tête. Okay. On lui a dit, on te passe le cacao. Ouais. Tu le passes dans ton fumoir, ouais. Tu nous le rends et après on fait du chocolat, on verra ce que ça donne. Ça fait un chocolat qui est vraiment hyper fumé. Ça, c'est un chocolat très particulier, c'est un chocolat un peu de niche, mais ça fait partie des créations et des collaborations qu'on aime bien faire ici. On descend, du coup, je vous montre la suite en bas. C'est parti. Comme ça, on aura un peu fait le tour, vous comprendrez un peu mieux comment ça fonctionne. Ça, c'est bien. Merci à vous. Donc, c'est là où le cacao va se transformer en chocolat. Pour ça, on a plusieurs machines qui sont là. C'est ce qu'on appelle des conches. C'est des meules en pierre qui tournent. Voilà, ça, c'est des roues en pierre. Sur le fond, c'est de la pierre également. Et donc, ça va tourner comme ça pour faire du chocolat petit à petit pendant plusieurs jours. Chocolat blanc à l'hibiscus. D'accord. Donc, l'hibiscus, c'est des pétales de fleurs qu'on achète qui sont séchées. Ouais. Et on les met directement dans la machine qui va les broyer et les incorporer au chocolat blanc. Ok. Et donc, là, ça tourne pendant 72 heures. 3 jours. Ouais, jour et demi, ça tourne. Ouais. Et pourquoi, en fait, aussi longtemps? Pour avoir quelque chose de fondant. Bah, je vais te faire goûter, tu vas voir qu'il y a peut-être encore un peu de travail. C'est super bon. Merci. Dans ces machines, on va faire des petits lots, des chocolats blancs, d'accord. Des tests, le chocolat fumé, là, ce que tu as senti tout à l'heure, c'est des choses très fortes. Okay. Et donc, ça là, on peut les laver intégralement à chaque fois, donc on fait des chocolats un peu spéciaux dedans. Mais sinon, on a les versions un peu la taille au-dessus. Ici, c'est le même principe, à part que là-bas, on fait 4 kilos, et puis là, on en fait 10 fois plus, on fait 40 kilos. Si on ouvre à l'intérieur, hop. C'est magnifique. Que là-dedans, on met le cacao, donc ce que vous avez vu tout à l'heure qui est hyper dur, ce que tu as croqué tout à l'heure. Le gruau, en fait. Ah non, ouais, les fèves entières. Le gruau directement, ce que tu as goûté tout à l'heure qui est très croustillant, on le met là-dedans. Et juste. Par chaleur, sous l'effet d'écrasement, ça va se transformer en pâte. Okay. Et ça va devenir liquide comme ça. Et là, on a mis du cacao, du sucre et un peu de beurre de cacao en plus pour apporter un côté plus fondant. D'accord. Je vais vous faire goûter ça aussi. Ça, on voit la date sur la petite ardoise. On l'a lancé le 19-12, donc on l'a lancé hier. Donc là, vous allez voir, il va peut-être être encore un peu râpeux, un peu fort. Ouais, mais il est bon. Ça, quand c'est même. Un chocolat noir 76%. La meule en pierre, elle sert à faire ressortir tous les arômes de la fève et à mélanger aussi. Moi, je trouve que en bouche, on a encore. Le sucre d'un côté et le cacao de l'autre. Oui. Et en fait, au bout de 3 jours, t'as vraiment du chocolat. C'est à côté, c'est le même principe, on fait 20 kilos, donc c'est une machine intermédiaire. On la réserve pour le chocolat au lait. On rajoute du lait en poudre. Ouais. Mais jamais en bouteille, sinon ça te fait un chocolat chaud, ça devient jamais solide. Ouais. Donc c'est toujours en format sec. Une fois que le chocolat il sort de cette machine et qu'il est bien terminé, au bout de 3-4 jours, on va devoir le tempérer. Et on a les machines là-bas qui nous servent à ça. La machine pour le chocolat au lait et ici la machine pour les chocolats noirs. Alors qu'est-ce qu'elles font ces machines? Elles font rien d'autre que changer la température du chocolat. Donc on va le chauffer autour de 50 degrés. Okay. Tu redescends à 29. D'accord. Et tu remontes à 32. Le chocolat il va faire des cristaux qui vont le rendre bien brillant et bien cassant. Si tu fais pas ça, ça donne un chocolat qui est tout friable et qui fait un peu la tablette que tu oublies dans un placard là, qui blanchit, là, c'est un problème. Voilà, Et ça c'est du chocolat par exemple qui n'est pas tempéré, donc vous voyez il fait des points partout. D'accord, et ça c'est fait pour une autre création du coup je suppose? Non, ça c'est qu'on a les machines là-bas étaient pleines. Ouais. Et, du coup on les a stockées en attendant, on va le faire refondre. Ça je vous ai pas montré, regardez, c'est le beurre de cacao. Donc là, on est à température ambiante, hein. 23 degrés dans le labo. Vous avez vu, il est hyper dur, on dirait du parmesan. Ah ouais. Donc ça, c'est la matière grasse qu'on extrait de la fève de cacao. C'est la seule machine que j'ai pas ici. Okay. C'est un pressoir, en fait, qui va appuyer sur le cacao
Et alors ça, c'est vraiment dans la fève que tu nous as montré là-haut, il y en a dedans. D'accord. En moyenne, 50%. Ce que tu as mangé tout à l'heure, que tu trouvais très fort, la moitié, c'est du beurre de cacao qui, lui, est très doux. Et donc, le chocolat blanc, c'est fait avec ça. C'est pour ça que ça a cette couleur-là. Donc, en fait, c'est que du beurre de cacao ou chocolat blanc. Donc, la question, est-ce que le chocolat blanc, c'est du chocolat? La réponse, c'est oui. Bah oui. Parce que c'est fait avec du cacao. Il y a du cacao, du beurre, du sucre et du lait. Les trois quarts des gens disent que c'est que du sucre et du lait. Mais en fait, non, il y a quand même... Ça vient du cacao. Après, on s'amuse beaucoup moins avec le chocolat blanc parce que d'un beurre de cacao à l'autre, ça se ressemble quand même beaucoup. Ouais. Alors que sur les fèves, il y a un grand effet terroir. Donc tu peux vraiment t'amuser à aller choper des fèves intéressantes. Okay. Sur le beurre de cacao, c'est beaucoup plus lisse. Et ça, du coup, tu te fournis à quel endroit? La sourceuse de cacao, c'est elle qui a des usines, qui connaît en tout cas des fournisseurs. Ça vient généralement du Venezuela ou du Ghana et ça passe ensuite par les Pays-Bas. C'est là où ils ont leur gros stock et puis après ils nous acheminent des petites fraises régionaux. Généralement, dans les chocolateries, tu vas trouver du sucre inverti, de la lécithine, du glucose, du fructose. C'est pas forcément mauvais. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça sonne pas très bien, mais je sais pas si c'est très mauvais en soi. En tout cas, c'est des produits, je ne sais même pas où les acheter, puisqu'on n'en a pas. Nous, on a vraiment du cacao, du sucre. Ouais. Et des fruits secs, des noisettes, des myrtilles. D'accord. C'est vraiment des matières premières très naturelles. Donc voilà un peu tout le process de fabrication. Ouais. Là, les filles vont commencer à faire du matcha. Ça, c'est chocolat blanc au thé matcha. Ok. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est hyper sensible à la lumière LED. Et du coup, nos tablettes, on est obligé de les garder à l'ombre. Oui. Si on les met sous la lumière, en deux jours, le chocolat, il pâlit un petit peu. Ah, là, ça fait ça que sur le matcha. Ouais. Vous avez goûté? Ah, bah, je veux bien. Lisa, tu goûtes aussi? On le sent bien. Ah mais c'est excellent. Un chocolat comme ça arrive à bonne température. Il faut vite. C'est la priorité, oui. Ouais, sinon après dans pas longtemps il va durcir avec la clim et tout, donc il faut se dépêcher. Et ça du coup c'est quoi que vous avez rajouté? Donc ça c'est du beurre de cacao et maintenu à 34 degrés. D'accord. Donc, vous avez vu le beurre de cacao tout à l'heure était hyper dur. Ouais. À 34 degrés, il a ce côté un peu mayonnaise. Donc chauffe encore plus, il est hyper liquide comme de l'huile d'olive. Ouais. Au visuel, ça change rien du tout. Mais c'est en train de tempérer notre chocolat. Et donc on le tempère comme ça à la main. Ça, c'est des moules qu'on a fait sur mesure. C'est là-dedans qu'on va couler notre chocolat. On a fait une forme qui nous plaisait parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est pratique pour la dégustation. Ça fond bien, tu vois, ça épouse la forme du palais. Et on a mis une petite queue de baleine dans le coin. Ah bah oui, voilà, la petite queue de baleine, c'est super sympa. Pour la petite histoire, en Colombie, on a vu des baleines à bosse. Et je trouvais que la baleine à bosse avait la même forme que la cabosse de cacao. Et donc, j'avais écrit un petit conte pour les enfants. Ouais. Parce que Claire est tombée enceinte quand on était en Colombie, donc on était un peu toute parentale. Ah ouais, c'est là. Ouais. Donc, j'avais écrit des contes pour enfants. Et en rentrant à Marseille, on s'est dit, la baleine, elle est sympa, donc on la garde pour la chocolaterie. Et même toute la DIA, ce côté orange et tout, il y a une raison ou... Il y a trois couleurs qui sont celles du drapeau de la Colombie. Et après, l'orange, c'est une couleur de cabosse qu'on retrouve souvent aussi, donc on l'aime bien. Mais là, je vois, du coup, c'est le rappel de la cabosse. Ouais, c'est une baleine qui a une cabosse, qui a mangé une cabosse. Tu vois, l'idée. Isa, c'est du coup la petite cabosse où on prend à l'intérieur les fèves... de cacao quoi. Tu stockes les tablettes là? On stocke, ouais, voilà. Ça, c'est des tablettes qui sont prêtes qu'on va emballer. Une fois qu'on les a moulées, qu'on les a sorties du frigo, on les laisse pendant 15 minutes au frais, on les sort. Ensuite, on les laisse tranquilles pendant quelques instants. Ah ouais. Et maintenant, on va pouvoir les emballer. Si on les emballe trop vite, après, elles dégagent en fait de l'énergie encore, les tablettes. Le chocolat, quand il cristallise, il dégage de l'énergie. D'accord. Et notamment cette variété-là. Et du coup, on est obligé d'attendre un peu avant de les emballer. Pauline a chaussé un casque anti-bruit, puisque vous allez voir qu'on va faire vibrer les tablettes pour que ça répartisse bien le chocolat et ça fait pas mal de bruit. Anka, elle a fait les beaux-arts et elle faisait des sites internet. Et Pauline, elle a fait de l'anthropologie et de la restauration. C'est assez loin du chocolat. Du coup, c'était quoi tes critères pour recruter? L'appétence pour les métiers de bouche, pour la gastronomie. D'accord. La curiosité et la polyvalence. Tout le monde fait tout. Fait de la vente et de la production, donc il nous faut des gens assez polyvalents. Ouais, d'accord. Voilà, et puis après, c'est un feeling humain, puisqu'on est une toute petite équipe. Oui, donc j'imagine. C'est important de bien s'entendre. Une fois que ce long processus pour obtenir un chocolat parfait a été bien exécuté, on va pouvoir créer les tablettes. Une fois que le chocolat a été versé sur les tablettes, elle les pose sur une espèce de petite machine qui va les faire vibrer de sorte à étaler de façon homogène tout le chocolat. Et c'est grâce à ce processus assez simple finalement que vont naître vos jolies tablettes. Comme vous pouvez le constater, les préparations s'enchaînent assez rapidement de sorte à ce que le chocolat ne change pas de température, ce qui pourrait mettre en péril la brillance mais aussi l'onctuosité de celui-ci comme aurait nous l'a bien expliqué. Et c'est donc après quelques minutes que les filles vont pouvoir sortir du réfrigérateur les tablettes qui sont absolument magnifiques.
La dernière étape avant d'être emballées va donc être de les laisser reposer quelques temps afin qu'elles dégagent leur énergie. Maintenant que vous connaissez l'histoire de la baleine cabosse et que vous avez un bref aperçu de comment sont réalisées les tablettes, je vous propose de vous faire découvrir davantage la boutique et les différentes créations qu'on peut observer chez eux. Vous constaterez donc que les couleurs sont un petit peu plus inhabituelles que ce qu'on peut retrouver dans d'autres chocolateries qui seraient plus dans des couleurs très blanc, noir ou encore du crème. Claire et Aurélien souhaitent donc nous faire voyager et nous faire découvrir leur beau projet qu'est le Bean to Bar, ce qui signifie de la fève à la tablette, puisque c'est justement ce processus qui fait la différence de leur chocolaterie. Vous constaterez donc que tous les chocolats qui sont mis à l'honneur sont plutôt simples, puisque la simplicité est le mot d'ordre de la boutique. L'idée derrière ce projet est en réalité d'inciter les gens à consommer moins, mais mieux. Et c'était aussi mon idée que de vous apprendre à comprendre ce que vous mangez, puisque grand nombre d'aspects de ce métier restent encore inconnus. Vous voyez sur le mur, c'est toutes les étapes que Aurélien il nous a expliquées sur comment on fait le chocolat. Donc séchage, torréfaction, décorticage. C'est très ludique, très sympa. Bah, en fait, là, c'est toutes les spécialités qu'il nous a montrées. Pérou, Colombie, noir fumé, le gruet qui était fumé chez quelqu'un d'autre. Les tablettes, elles sont super jolies. T'as vu comment elles se présentent? On a envie d'avoir la collection à la maison. Bon bah du coup, on est avec Claire, c'est la compagne d'Aurélien. Tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais, comme ça on suit un peu tout le parcours de la chocolaterie. Là, j'emballe les barres. L'emballage, c'est 30% de métier, quoi. Ouais, j'imagine. Et en fait, on a essayé de pas mettre le moins de plastique possible, plier nous-mêmes et mettre la petite tablette ça, qui a déjà été pré-emballée. Du coup, on essaye que tout le monde tourne pour pas faire 3 heures emballage de tablette ou... À la fin de la journée, je pense que vous avez plus envie de travailler ici. Et ça, c'est quoi ces barres-là? Du coup, on les a pas vues. Alors ça, c'est praliné et caramel beurre salé. Incroyable. Ah, c'est fondant. Apparemment, tu aimes pas trop le chocolat, mais moi, j'adore ça, donc... Vraiment, j'ai jamais mangé de chocolat de ma vie. Ma mère, elle m'offrait du saucisson à Pâques. Parce que vraiment, j'aimais pas ça, quoi. Et en fait, c'était quand on était en Colombie, on travaillait dans une plantation de café. Et juste à côté, il y a des cacao. Okay. Et en fait, moi j'avais jamais vu ce fruit-là, et il faut imaginer un truc tout vert, et juste ces cabosses qui sont absolument chatoyantes, enfin de toutes les couleurs, rouge, jaune, qui pètent comme ça. Le producteur était vraiment passionné. Enfin, lui il torréfie à la poêle, en mode maison, tu vois. Et en fait, c'est le meilleur chocolat que j'ai mangé de ma vie. Pourquoi en fait j'aime les fèves, pourquoi ça, et pourquoi j'aime pas le produit final en France? Et du coup, on a compris que en fait, plus personne fabriquait son chocolat. Ouais, que du coup, c'était vraiment des industriels, et qu'en fait, moi, j'aime pas trop le sucre en général. C'est comme le vin, le chocolat. On dit pas un vin de France, mais dire un chocolat de Colombie ou d'Équateur, ça veut rien dire non plus. Ouais. Et en fait, t'as une diversité de goûts incroyable. En fait, je me suis rendu compte que dire que j'aimais pas le chocolat, ça peut pas être vrai. Il y en a tellement qu'il y en a forcément un qui va t'interpeller. Et tu vois, là, on fait des barres, mais on reste sur des produits très très bruts. Enfin, le pralin, c'est vraiment noisette amande écrasée avec un caramel. Point. D'accord. Avec du chocolat. Enfin, on va pas sur des trucs choses simples. Tu vois, ça, c'est des rochers, on le roule dans le gruet de cacao et après t'enrobes de chocolat noir ou de au lait, y a rien d'autre. Ouais, on a commencé à monter le projet en Colombie, on s'est dit que quand même c'était mieux en France parce que j'avais envie d'être auprès de nos parents. Au moment où on a eu l'idée, au moment où on a monté, il s'est déroulé un an pile et on a ouvert la chocolaterie le 20... Enfin moi j'ai accouché le 17 août, le 23 novembre la chocolaterie était ouverte. Incroyable. Avec le nourrisson partout. Ouais, ça... Là, la chocolaterie, elle a 5 ans et on a 3 enfants. Quoi. Ça a pris. Ah oui! Ah oui, ouais, on a tout fait en même temps. Ouais. Donc, on a plein de bébés. Voilà. Et ça a pris rapidement, du coup, pour vous faire connaître et tout, ça, c'était pas. Ben ouais, parce que vu que c'est un concept que les gens connaissent pas, en fait, on a été quand même assez médiatisés de manière générale. J'ai vu que vous étiez passé à la télé sur le compte Insta, j'ai vu qu'il y avait un peu. C'est trop bien. Ouais. Mais naturellement, enfin, sans qu'on fasse des démarches spéciales. Bah, moi aussi, je suis venue voilà, là, donc c'est ça. Mais après, il y a 5 ans, on n'était vraiment pas beaucoup, en fait. Il y a D'accord. 5 ans, on était 20. Aujourd'hui, on est quand même vraiment artisanal. Je pense qu'on est 80, un truc comme ça en France. Donc ça reste dérisoire par rapport au nombre de chocolatiers. C'est pour ça qu'ici, c'est une chocolaterie très pédagogique. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas tout blanc. C'est pour ça qu'il y a la fresque. Je fais pas mal de bénévolat dans les écoles. Je fais partie de l'école comestible. On fait partie d'une association Entreprendre pour apprendre. On fait partie de pas mal d'assos pour apporter, en fait, autour de la nourriture de manière globale. Mais du coup le chocolat aussi pour le chocolat pousse pas sur les tablettes du supermarché et expliquer vraiment que ça vient d'un fruit. Déjà ça, rien que ça, il y en a plein qui ne savent pas du tout. Non, quoi. Mais j'y
complètement appris là. Ouais, c'est un travail énorme de nos producteurs parce que c'est déjà la culture du cacao, c'est énorme. Rien que nous, une fois qu'on reçoit la FF, ça met 4 jours à se transformer en chocolat. Ouais, j'ai vu que là vous faisiez le matcha et j'ai vu qu'il restait qu'une seule tablette, c'est pour ça que vous en relancez. Alors non, là non. Il reste une seule tablette parce que le matcha ne supporte pas la lumière. Ah oui, c'est vrai, il nous l'a dit Aurélien. Du coup, ça je l'ai mis en présentation, mais en vrai on donne celle-là qui est cachée quoi. Ça se décolore au niveau de la lumière, mais en fait ça se joue au niveau du goût. Petit tour d'équipe parce que du coup on connaît pas trop l'équipe encore. Je vous présente Pauline qui est là depuis presque 2 ans. Il y a un peu 2 ans, ouais. Ouais. Ici il y a Anne-Claire qui est ma seconde. On a que nos 2 salariés qui sont là en CDI à l'année et Marie-Ange qui vient nous prêter main forte en saison. Marie-Ange, fais un petit sourire. Oh, l'odeur ici. Marie-Ange qui nous aide pour la saison. Il est en train d'emballer des orangettes, voilà. Alors là, du coup, on est à la création des barres, c'est ça? Oui, on est à la fin de la première étape. Okay. Là, on a fait la première couche de chocolat à l'intérieur. Okay. Et là, on va venir racler l'excédent de chocolat. Et après, on met sur la plaque et on attend que ça fige 5 à 10 minutes. Après, on va venir racler, mettre au frigo et après, on pourra garnir avec le praliné. Concernant ces barres pralinées, il s'agit d'une petite création un petit peu plus originale que ce qu'ils ont l'habitude de faire habituellement. Un chocolatier un petit peu plus expérimenté est donc venu les rencontrer pour les aider à confectionner cette barre à la pistache. Et donc aujourd'hui, c'était la toute première fois que les filles se lançaient dans la création des barres toutes seules. Maintenant que les pistaches entières ont été déposées sur le chocolat figé, on passe au praliné. Là, on va venir coller le praliné. Allez, je vais rajouter le chocolat directement dedans. Je vais mettre 600 grammes, donc je vais y aller petit à petit. Ok. Oh, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Je vais y aller un peu plus. 430. Oh mon Dieu. Et vous êtes fan de chocolat à la base ou même pas vraiment? Moi j'aimais bien le chocolat noir surtout. Ok. Les gens mangeaient pas trop non plus. Puis après j'ai découvert le Bintou Bar et là j'ai commencé à apprécier quoi. Ouais, ça a rien à voir avec chocolat, les chocolats industriels. Il y a vraiment une diversité de notes aromatiques qui est hyper intéressante. Bon, voilà pour le collage. Et donc là, on va venir le laisser refroidir. Ça monte progressivement. Cette étape n'a pas été la plus simple pour les filles puisque c'était la toute première fois qu'elles devaient un petit peu se faire une idée de la quantité qu'il fallait mettre dans chaque barre, de sorte à garder un bon équilibre entre le pralin et la coque en chocolat qui va permettre de refermer la barre. D'autres enjeux sont à prendre en compte, notamment le fait que les pistaches ne remontent pas trop et que le praliné ne fasse pas de bulles afin que le résultat final soit le plus joli possible. Le praliné étant bien figé, les filles vont pouvoir étaler le chocolat fondu afin de refermer la barre. Les filles vont pouvoir à présent se rendre compte du rendu final si jamais il y a des petites imperfections, notamment des bulles, des petites pistaches qui sont remontées ou alors si jamais elles ont trop rempli leur barre avec le praliné. Vous pouvez donc constater ici qu'il y a eu quelques petites imperfections, notamment des petites pistaches qui sont remontées. Et c'est donc aussi une des réalités de l'artisanat que j'avais envie de vous montrer. Ils remettent en question très régulièrement leur façon de faire, essayent toujours de comprendre comment parvenir à mieux, surtout dans le travail du chocolat qui est en réalité très compliqué. Et pour avoir eu la chance de goûter une des nouveautés, je peux vous assurer que cette barre à la pistache était absolument divine et un de mes produits favoris de la boutique. En parlant de celle-ci, j'ai vu pas mal de clients s'y réunir cet après-midi avant les fêtes de Noël et j'en ai profité pour faire moi aussi mes cadeaux. Comme il n'y a personne dans la boutique, j'en profite un peu pour faire ma commande de cadeaux de Noël. Je pense d'abord que je vais partir sur 2 infusions. Donc les infusions cacao, c'est en fait quand on récupère nous les fèves de cacao, on les torréfie au four et ensuite on les décortique, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a l'infusion de cacao nature, ça te fait une boisson très légère et très subtile au cacao. Et on a lancé toute une gamme d'infusions avec une cavatée qu'on aime beaucoup à Marseille qui s'appelle Lorraine Millet. Et du coup, on a fait cacao avec épices chai, cacao avec tourbillon d'agrumes, cacao avec secret de garrigue, là c'est l'avant de thym romarin, cacao menthe poivrée. Je vais te prendre 2 épices chai, 2 infusions cacao, un blanc hibiscus et un blanc matcha. Elles sont magnifiques, celles-là. Puis alors, elles sont trop bonnes. Hein.
un noir sel vanillé et un noir sésame soufflé. Ensuite, mes grands-parents qui sont sur du noir, mais j'ai pas trop d'idées sur leur goût. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer? On a des noirs nature qui sont très doux. Petit nouveau de chez nous, Pérou Maragnone, 72%. Lui, il est vraiment hyper crémeux et fruité. Donc, je pense pour des grands-parents, ça peut être sympa à faire découvrir. En étonnant, tu vas avoir celui-ci. C'est un chocolat du Mexique. C'est un chocolat noir, mais qui a une couleur de chocolat au lait. La variété s'appelle la porcelaine blanche. C'est une fève qui est super claire. D'accord. Et du coup, ça donne un chocolat avec des notes de framboise un peu acidulées. Je vais t'en prendre une de chaque. Au niveau des pâtes à tartiner, c'est quoi le sobacha? Toi qui aimes bien le Japon, en tout cas le thé matcha. Ouais. Le sobacha, c'est une infusion japonaise. C'est des toutes petites graines de sarrasin qui sont très torréfiées. Ouais. Au début, on a sorti une petite barre chocolat au lait sarrasin. Okay. Sobacha. Ouais. Et les gens nous ont dit non, mais il faut faire un plus grand. Donc on a fait le format tablette. Okay. Et très vite, on est passé aussi à la pâte à tartiner. Donc, c'est une pâte, en fait, c'est une pâte à pâte tartiner. C'est une pâte croustillante. Ok. Qui est hyper généreuse. Bah, je vais t'en prendre deux alors. Je pense que je vais te prendre les petits chocolats un peu comme ça. Donc là, chocolat à la casse, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. C'est spéculoos, non? Ouais, exactement. Je vais en prendre un petit peu comme ça. Chocolat assez doux avec bâtonnet d'amande dedans. Ça, je vais en prendre un petit morceau pour ma mère. Il est assez fin, donc ça fait. Tu vois, c'est. Ok. Celui-ci. Ouais. C'est incontournable que toi tu aimes bien. Bah chocolat au lait t'en as pas pris? Bah moi j'aime bien avec la fève de cacao. Côté gourmand du lait qui va venir compenser la fève. Ah ok, voilà. Qui est plus puissante. Ce petit morceau là ça te va? Ouais c'est parfait. Je vais chercher ma carte. On assiste à présent à une nouvelle création qui est une petite spécialité pour les fêtes de Noël puisque ce sont des flocons au chocolat noir avec de la coco râpée ou encore des amandes effilées. Pour l'heure du goûter, on a eu le droit à notre petit chocolat chaud maison qui est réalisé au sein de la chocolaterie. Vous pouvez également repartir avec votre chocolat chaud si vous en prenez un à la chocolaterie ou acheter les petites cuillères en chocolat qui vous permettent de les faire à la maison. On dirait les fins qui cherchent les fruits. Ah putain, c'est clair. Mais oui, c'est trop drôle. C'est ce truc d'enlever des petits trucs. C'est ça, on trie les fèves. Il y en a qui sont pourries. On enlève toutes les impuretés pour pas que ça brûle. Les filles passent donc pas mal de temps à trier les fèves afin qu'il n'y ait aucune impureté qui pourrait brûler lors de la torréfaction et modifier un petit peu le goût du cacao. Les amis, on passe du coup au chocolat avec la petite... C'est de la crêpe dentelle en fait un peu, non? Ouais, la gavotte bretonne. Ah, gavotte bretonne. Toute beurrée. Magnifique. Toute légère. Il m'en faut 295. Je vais les avoir. Vous vous rendez pas compte, hein, mais c'est magnifique ça. Ah ouais, j'avoue, c'est léger. C'est aérien. C'est... Il s'agit donc d'une des dernières créations de la journée, puisqu'en effet, lorsqu'on est chocolatier, on ne fait pas toutes les préparations en un jour, étant donné que ce sont des produits qui ont des longues dates de conservation. Donc il faut que ça fasse 80, 160, 240. Et je suis donc ravie que les filles m'aient fait confiance pour mettre la main à la pâte sur cette dernière création, puisque j'ai créé des tablettes chocolat noir gavette bretonne que vous allez pouvoir vous-même déguster en boutique.
voulais faire un dernier point un peu sur, au final, comment toi, tu as géré un peu ton entreprise. Est-ce que tu as eu du temps pour ta famille, pour ta vie perso à côté, ou est-ce que tu as dû un peu tout sacrifier Bah, c'est des bonnes questions quand on monte sa boîte. Forcément, on est percuté niveau perso par tout ce qu'il y a à faire. Il faut avoir de l'énergie, beaucoup d'énergie, du courage, de la passion et être bien entouré. Il ne faut pas penser qu'on est très fort partout. Et il faut identifier là où on se sent plus faible. On ne sait pas dessiner. Voilà, on a fait appel à un bon graphiste qui est depuis un pilier de la société. Donc c'est un prestataire, mais on est très content de l'avoir. J'allais te dire, même du coup, sur les réseaux, tu es quand même assez actif. C'est quelque chose que tu aimes bien aussi. Je déteste ça, mais je le fais. Ah merde. On avait bien quand on a. Dans le sens où quand on a créé la boîte, moi j'avais ni Facebook ni Instagram et clairement plus. Donc on n'a pas de raison. Donc du coup, on a créé tout ça pour l'entreprise. Et ensuite, sur l'équilibre vie pro-vie perso, la boîte elle a 5 ans et en 5 ans, on a eu 3 enfants. On a eu 3 garçons assez rapprochés. Du coup, c'est assez sport et c'est un bon garde-fou pour pas passer ta vie au boulot. Tu te dis, mais en fait, j'ai des enfants qui grandissent, j'ai envie de les voir grandir, donc il faut que je sois efficace dans mon travail. Je vais pas rester ouvert nuit et jour tout le temps. On a fait évidemment des nocturnes, on a beaucoup travaillé. Obligé, on se forçait à avoir des temps sacralisés pour les petits. Donc ça, c'est très important de le faire. Commence à avoir des salariés au bout de un peu moins d'un an. Une personne au début et puis maintenant tu vois on a 4 personnes. L'idée étant de pas grossir pour grossir mais d'avoir un bon équilibre entre la rémunération de tout le monde dans l'équipe et l'activité. J'ai pas envie d'avoir 10 boutiques pour avoir 10 boutiques pour gagner plein d'argent. Comme ça, et le fait d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter, c'est hyper important. Ça a été libérateur. C'était vraiment libérateur. Après on les embarque aussi quand on part en formation. On essaie d'embarquer tout le monde vers le haut avec nous. Ça, et puis tu nous as dit du coup que tu étais investi dans une association. Voilà, on a monté l'association Bean to Bar France. Alors, c'est un anglicisme. Bean to Bar, en anglais, ça veut dire de la fève à la tablette. Ça regroupe les dingos de cacao comme nous. Et on s'est dit qu'on allait se regrouper pour échanger sur ce métier. On fait intervenir des professionnels donc pour des conférences, par exemple. Les ingénieurs agronomes qui vont nous parler de variétés de cacao. Producteurs de cacao qui nous parlent de leur métier sur le terrain. On se forme sur ce que je vous montrais tout à l'heure, le tempérage du chocolat. Bien brillant et bien cassant. L'histoire de votre vie parce qu'elle passe des heures à tempérer, à voir si c'est bon. Donc ça, on a fait venir un ingénieur qui est passionné de beurre de cacao. On l'a trouvé, il y en a un en France. Son adresse mail, c'est beurre cacao. Le mec aime ça, quoi. Du coup, on s'est regroupés ensemble, il est venu nous former sur ces sujets-là. En étant ensemble, on va pouvoir avoir plus d'impact aussi. Dans cette philosophie de la chocolaterie, on est petit, mais on a des ambitions très élevées. On aimerait bien que les producteurs soient bien payés, qu'on ne déforeste pas pour planter du cacao. On va pouvoir faire des actions collectives plus importantes. Les fèves, c'est commerce équitable à chaque fois, tout ça. Parce que je sais qu'en supermarché, ils parlent pas mal de commerce équitable dans le cacao. Donc je pense que vous aussi. On n'a pas forcément le label. D'accord. C'est comme le bio. On n'a pas de label bio sur la boutique. Par contre, tout le sucre est bio, le beurre de cacao est bio, la plupart des fèves sont bio, fruits secs sont bio. Vu que nous, on n'a pas fait la démarche de payer le label bio parce qu'on a certains produits qui ne le sont pas, notamment certaines fèves avec des producteurs qu'on a rencontrés en Colombie. Qui font du super travail, mais qui se sont eux pas payés label bio pour plein de raisons diverses et variées. Pour revenir sur l'histoire, donc on était en Colombie pendant 6 mois, on s'est dit on va faire une chocolaterie avec tout bio, tout commerce équitable, trop bien, vraiment là-dedans. Dans le truc, Et en fait, sur toute la Colombie, il y avait un seul type qui s'était payé de label bio dans tous les producteurs de cacao. Pourtant, ils sont tous en bio dans les faits, mais ils ne payent pas le label qui leur coûte trop cher et qui leur apporte beaucoup de contraintes. D'accord. Voilà, donc on s'est dit, on préfère bosser avec ces gens-là qu'on a vus, chez qui on a passé du temps, que d'acheter sur catalogue des fèves bio. Donc on était dans cette démarche-là. Depuis, on achète aussi des fèves sur catalogue bio, mais on garde nos producteurs qui ne sont pas forcément... saisonnalité, du coup, comment est-ce qu'on gère le travail entre l'été et l'hiver, puisque c'est vraiment un métier saisonnier où l'été, les gens sortent avec une tablette fondue du magasin, donc ils n'en achètent pas. Et l'hiver, au contraire, c'est un produit de réconfort, donc on achète du chocolat. La première année, on a ouvert en novembre, donc on a fait novembre-décembre, c'était la folie, on était trop contents. Et après, il y a eu Pâques, donc pareil, trop content. Et après, Pâques est passé, alors là, d'un coup, la boutique était vide. Et ça nous a fait bizarre, vu qu'on vient pas du secteur, on savait pas du tout comment gérer ce vide là. Donc au début on n'a pas fait grand chose, si ce n'est stresser, se demander pourquoi il n'y a pas grand monde. Et en fait on s'est rendu compte que ce temps là il était hyper important et que c'était en fait un temps de recherche et développement. Donc, on finit Pâques et on décide déjà du Pâques de l'année d'après. On décide tout ce qu'on va faire l'année qui vient. Et c'est un temps qui est très stimulant aussi, on peut se poser plein de questions, faire des tests, goûter des choses, réfléchir à des collabs. Évidemment je vous mettrai dans la barre d'infos le site web de la chocolaterie. On vient de penser un peu à ça sur le tas, mais du coup Aurélien m'a dit qu'il était partant pour vous proposer un petit code promo si jamais vous passez uniquement par le site internet, donc ce sera Stel10, vous l'écrirez sur l'écran et dans la barre d'infos si jamais vous voulez en profiter. Écoute, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci, franchement c'était une super journée, on a adoré. Merci beaucoup. Merci à toi.